Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation d'un nouvel oracle. J'étais trop impatiente de le recevoir. C'est l'oracle Yggdrasil, l'oracle divinatoire nordique de Okkur Halldórsson et Geokdóttir. Je ne sais pas du tout si ça se présente, si ça se prononce comme cela. Alors, il est paru aux éditions Vega. Franchement, c'est un magnifique coffret en dur qui s'ouvre comme ceci. Franchement, il est magnifique. Et c'est un oracle, évidemment, sur la mythologie nordique. Moi, j'ai une grande passion pour la mythologie, autant mythologie grecque, égyptienne, nordique. C'est vraiment quelque chose qui me fascine, qui me passionne. Et je n'avais pas vraiment d'oracle sur la mythologie nordique. Et bah, franchement, celui-ci est génial. Déjà, la boîte est franchement magnifique. Franchement, ils ont fait un beau travail. Les boîtes qui s'ouvrent comme ceci aimantées, regardez, ils ont même soigné les bords. Alors, celui-ci est au prix de 29,90€, mais il y a 81 cartes. Je ne sais pas si vous vous imaginez, plus un livre de 216 pages. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Découvrez votre destinée avec Yggdrasil, l'arbre monde. Inspiré de la riche mythologie scandinave, cet oracle fera entrer la sagesse ancestrale dans votre vie. Ces 81 cartes ainsi que le guide les accompagnant ont été conçus pour la divination et vous apporteront des conseils et une connexion spirituelle. Créé par un artiste de renom, membre du mouvement néopaïen, les dessins à la plume illustrent de manière très expressive les Eddas, magnifiques écrits relatant les légendes d'autrefois. Si vous désirez approfondir vos connaissances du panthéon nordique, inspirez-vous des guidances de Thor, Odin, Freya ou Nana. Voilà, voilà. Donc, on va le regarder ensemble, du coup. Quand il s'ouvre comme ceci, vraiment magnifique. Il est dans un super pochon noir en velours. C'est pas comme les petits pochons dorés en satin. C'est vraiment en tout doux. Et on a le livre dans le fond de la boîte. Voilà. La boîte est franchement chouette. Hein. Bah, on va commencer par un petit peu regarder, du coup, ce guidebook ensemble. Bifrost. On a le velours qui perd un petit peu de ses petits poils. Par contre, c'est écrit très petit. Je viens de voir le sommet. Ouais, c'est super petit. On a la présentation des cartes, comment utiliser les cartes. En chapitre 1, Asgard, le monde des dieux. Chapitre 2, le monde des géants. Chapitre 3, le monde des elfes lumineux. Chapitre 4, le monde des glaces. Chapitre 5, le monde des hommes. Chapitre 6, le monde des nains. Chapitre 7, le monde des elfes noirs. Le 8, le monde du feu. Le 9, le monde des morts. Et à propos de l'auteur. Donc, les cartes, les divinités sont classées dans certaines catégories. Voilà. Ici, on a une prédiction de la prophétesse de l'Eda poétique. Une présentation des cartes. On a même une petite explication sur la prononciation des lettres typiquement islandaises. Voilà. Comment les utiliser. Le symbolisme des animaux. Dans la mythologie nordique, de nombreuses entités animales aident et servent les dieux ou sont engagées activement dans la création, la destruction ou la régénération du monde qui s'ensuit, etc. L'importance du cercle, histoire de la création dans le paganisme nordique, germe d'idées et inventivité. Les éléments selon le paganisme nordique, donc eau, terre, vent, feu. L'importance du chiffre 9, les points cardinaux. Alors, on a ici le tirage de l'arbre d'Yggdrasil. Du coup, on vous explique les emplacements. Hein. Voilà, les 9 emplacements. Asgard, le monde des dieux. Ici, on va nous parler, on va nous expliquer l'emplacement sur l'arbre d'Yggdrasil. Un petit mot, quand même, d'explication sur qui est Asgard. Et ensuite, les cartes dans cette catégorie. Par exemple, ici, on a Odin. On a ici la prononciation. Les petits mots-clés. Et alors, on nous explique évidemment qui est Odin et son message. Et ça, on a pour toutes les cartes.
Voilà, voilà. Bah, du coup, on va regarder. Il est très, très beau. Hein. Les cartes ensemble. Je ne les ai pas encore vues. J'ai juste vu que c'était un gros paquet. Le dos est comme ceci. J'aime beaucoup. Les tranches sont argentées. C'est très beau. J'aurais mal vu du doré, vraiment. Voilà. Et je vais vous rapprocher, du coup, pour que vous les voyez mieux. Alors, elles sont toutes en noir et blanc. On dirait des dessins au crayon. Je trouve ça magnifique. Elles sont vraiment belles. Voilà. Regardez-moi ça comme elles sont belles. On a beaucoup de détails. Donc, on a le nom de la carte et ici, ben, les petits mots-clés. Donc, on a Odin, Frigg. Elles sont vraiment magnifiques. Freya, très, très, très belle. Ah oui, et vous voyez ici le symbole qui correspond à chaque fois à la famille. Bon, ça, il faudra se référer au livre parce que on ne les connaît pas, évidemment, par cœur. Sif. Ah, je le trouve vraiment très réussi, moi. Baldr, je ne connais pas. Très, très belle. Et ici, dans la bulle, on a... On dirait qu'on met un peu en évidence cette plante. Njort. Elles sont vraiment, vraiment belles. Les dessins sont très jolis. Bragi. Il y a beaucoup de symbolisme aussi. Nana. Djersemi et Nios. Celle-ci, je la trouve particulièrement magnifique. Regardez, avec ce, on dirait un serpent des mers, un dragon, je ne sais pas. Et Thor est dessus, avec son marteau. Magnifique. Tyr, elle est très très belle aussi. Si vous aimez tout ce qui est mythologie, foncez, il est vraiment très très réussi. Je regarde parce que les cartes sont de très bonne qualité, mais du coup j'ai l'impression que j'en ai deux. Non, il n'y en a qu'une. Aguir, magnifique aussi. Un Han. Ymir. Et 81 cartes, c'est beaucoup. Hein. Mimir. Skimir, tromperie, méfiance, c'est marrant, avec sa marionnette. Ça fait penser justement à être manipulé, voilà, je vais y arriver. Chazi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Skirnir. Urdarbrun. Vous m'excuserez si j'écorche les noms. Hein. Celle-ci aussi est belle. Wordandi. Le présent. Urde, le passé. Frais, printemps, nouveau départ. Ici, elles sont encore collées. Et on voit beaucoup d'animaux. Regardez ici, on voit un cheval derrière. On dirait vraiment des crayonnés sur sa main. Et en noir et blanc, ça rend vraiment bien. Alfrin, Alfrun. Sol. Non, il n'y en a qu'une. Elles sont tellement épaisses. Vali. Ici, il y en a deux. Gerd. Belle aussi, celle-ci. Fula. La gardienne des secrets. Là, il y a des petits oiseaux. Forngiot, tempérance. Nertus. Ah, elle est jolie aussi celle-là. Nilf. Nifl. Grimnir. Non, il n'y en a qu'une. Irokin, je dirais. Er. Très belle aussi. Oh, celle-ci est belle. Skadi. Je ne les ai pas encore vues avant. Hein. Regardez-moi l'ours. Oh, elle est belle. Celle-ci aussi est belle. Bon, celle-ci, je ne vais pas m'avancer à la prononcer. Mais elle est très, très belle aussi.
Frosty. Emdal. Très très belle aussi. Beaucoup de symboles ici. On en tirera une à la fin et on ira voir. Comme ça, vous verrez un petit exemple de ce que vous trouvez dans le livre. Ask. Embla. Celle-ci aussi est belle. Gefion. Magnifique. Forseti. Sigin. La loyauté. Dach. Dach. Comme bonjour en néerlandais, Dach. Ou en allemand, peut-être. Lin. Très, très réussi, hein. Jarl et Erna. Le Drakkar. Oh, celle-là, elle est bien collée. En brun, en brune. Voilà les cartes. Dari. Daroth. Mani. Goy, elle est belle aussi celle-ci. Ouais. Mok. Sin. Oh, elle est belle aussi. Gna. Elle est beau le cheval. La messagère des dieux. La règle des trois. Très belle aussi. Ah, ouais, franchement, c'est un coup de cœur. Durin, le gardien de la porte. Skuld, l'avenir. Ul, elle est belle aussi. Ambition et esprit de compétition. Non, il n'y en a qu'une. Idun. Oh, avec sa petite biche, regardez comme elle est jolie. Magie de la jeunesse et rajeunissement. Ouais, la pomme. On dirait la pomme qui rajeunit. Gandalf. Ça, on connaît la sagesse. Brock, maîtrise du métier et diligence. Delink, beauté et vanité. Irpa, diligence et ingéniosité. Ekin Skaldil, Skaldi, gardien du trésor. Muspel, seigneur des inadaptés. Oh oh! Surte, surte, colère ardente. Il n'a pas l'air content. Hein. Simmara, cauchemar. Emnir, l'esprit du feu. Loki, le dieu rusé aux multiples visages. Très belle aussi celle-ci. Kouazir, hydromel, astuce, poésie. Oh, elle est belle celle-ci. Nakfar, le bateau du conflit avec ce Drakkar. Oh, magnifique. Elle est belle. Reda, l'esprit de la foudre. Elle est belle aussi, celle-ci. Vidar, le berserker ou le guerrier. Regardez l'ours ici, comme il est beau. Elle, souveraine des peurs. Très, très belle aussi. Ganglot, insolence et procrastination. Spéciale, celle-là. Ah, celle-là aussi. Ganglati, retard et léthargie. Elrigine, désordre. Mokgut, la gardienne de Ga. Galarbru, j'aime bien celle-ci. Celle-là aussi. Bon, du coup, on a Galarbru, le passage entre la vie et la mort. Note, désir perpétuel. Très très belle aussi. Hermot, le voyageur hardi. Et pour finir, Irmine, réconciliation des contraires. Bon, je vais vous remonter du coup un petit peu. Et je vais essayer de les mélanger. C'est un énorme paquet. Et on va en prendre une au hasard du coup. Pour voir le message, comme ça vous verrez. Le type de message que vous pouvez avoir dans le livre. Il se mélange très très bien, mais c'est pas évident. Hein. On va prendre celle-ci, elle veut venir. C'est un gros gros paquet. Vraiment, et vu la qualité des cartes en plus. Donc, on a Emdal, passage, opportunité, avertissement. Par contre, pour chercher dans le livret,
C'est un peu moins folichon vu qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes. Donc, il faut aller chercher par rapport à ce symbole que je ne connais pas. Oui, ça, c'est un petit peu moins pratique. Du coup, ah, ici, MDAL, page 115. Ouais. Du coup, il faut un peu chercher dans le sommaire. Du coup, c'est un peu moins pratique. On aurait peut-être dû mettre des numéros quand même. Alors, passage, opportunité, avertissement. Emdalur, le gardien du pont Bifrost reliant Myogarur à Azkarur, incarne de ce fait le seuil entre le consultant et sa principale aspiration. Une carte très importante à cet égard. Considéré comme le gardien des dieux et des hommes, Emdalur vit à Imyabjork, résidence céleste qui s'élève près de la tête du pont. Là où il touche le ciel, il a les dents en or, une ouïe et une vue exceptionnelles. Il entend pousser l'herbe et la laine sur le dos d'un mouton et voit jusqu'à 180 km de distance, de nuit comme de jour. Le sommeil ne lui étant pas nécessaire, sa vigilance ne faiblit jamais. Né de 9 mères, indiquant 9 nouveaux départs, il a plusieurs noms et de multiples visages. Grâce à son énorme corne, Gyalarom, il avertit les dieux de l'approche des géants. Emdalur et Loki, ennemis mortels, se battent avec férocité lors du Ragnarok. La carte indique au consultant une ouverture, un lien direct à une opportunité, de grandes perspectives et un lien fort, ininterrompu avec ce à quoi il aspire. Emdalur est à invoquer pour la vigilance une ouverture ou une opportunité. Voilà, donc c'est vraiment un oracle divinatoire. Hein. Et en plus, on en apprend sur les divinités. Moi, c'est un gros coup de cœur. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, bah, du coup, je vais vous remettre la boîte. Hein. C'est le Yggdrasil que vous pouvez trouver partout. Voilà. Mais vous me direz en commentaire si vous aussi, vous aimez tout ce qui est mythologie. Pas spécialement nordique, mais aussi. Et si vous avez déjà vu passer ce jeu, si vous avez craqué ou si vous allez le rajouter sur votre wishlist, peut-être. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.